Où suis-je? Dois-je parler? Dois-je me taire? Qu'est-ce que je fais dans ce désert? Pourquoi n'y a-t-il personne en vue? Que dois-je faire? Quel est le but? N'y a-t-il un but en fait? Dois-je commenter ce jeu? Est-ce vraiment un jeu? Une chose est sûre, dans moins de 10 minutes, je vais mourir. Bienvenue sur Time Frame, une idée, un concept, une métaphore, je ne sais pas. Comment vais-je combler 10 minutes de gameplay de ce jeu qui n'a pas de gameplay? Commençons par le début. Trois fois par an a lieu l'Udum Dare. Un genre de concours ouvert à tous, le principe est simple, un thème est donné, et les participants ont 48 heures pour réaliser un jeu, ni plus ni moins. Souvent des sociétés indépendantes, parfois des programmeurs du dimanche. Août 2013, plus de 2000 participations, dont celle de Random Seed Games, qui offre ce jeu Time Frame. Le thème, 10 secondes. L'idée, la distorsion du temps. 10 secondes qui seront 10 minutes en fait. Le temps est ralenti. Les feuilles s'envolent lentement. Les flammes des torches brûlent lentement. Le temps s'est comme arrêté. Et je suis apparemment seul au monde. Conçu grâce au moteur de jeu Unity, ma seule possibilité est de parcourir ce paysage énigmatique. Un FPS dans lequel je ne peux ni sauter, ni courir, ni tirer. Sur qui pourrais-je bien tirer d'ailleurs? Il n'y a personne. Le soleil éblouissant, les ruines d'une énième civilisation qui s'est effondrée, les montagnes immenses, des murs en forme d'aqueduc m'empêchent de m'échapper. Mon seul but est la contemplation. J'avance, je cherche, mais je ne trouve rien. Il n'y a plus rien. Mes gigantesques structures sont abandonnées. Qui pouvait bien vivre ici? Qui a construit ces monuments? Pourquoi n'y a-t-il plus personne? Le soleil chauffe mon visage, la beauté des décors brillamment mis en scène me font oublier qui je suis. Mon instinct de survie me pousse à aller vers la ville, espérant trouver un soupçon de vie, de civilisation. Le murmure du vent, une douce musique, m'incite à me poser des questions sur la vie, sur ma vie. En me promenant, je pense bien sûr à Shadow of Colossus, sorti sur PS2. L'immensité des plaines, de grandes étendues désertiques, les dégradés de couleurs, le néant, la solitude. Un gameplay basé sur la contemplation, la poésie, la magie des lieux. Je pense aussi au jeu Journey, sorti sur PS3. Les thèmes sont quasi les mêmes. Pourquoi suis-je ici? Je vais mourir dans quelques minutes. Mais je ne sais pas encore comment. Je suis le seul survivant de cette civilisation qui s'éteint. Et je vais être le seul témoin d'une catastrophe imminente. Mon esprit divague. Je me mets à penser à ce que je ferai dans un tel cas. Que dois-je faire? Ma liberté d'action est grande et si petite à la fois. Savourer ces derniers instants, car je ne peux m'enfuir. Dois-je m'interroger sur le comment nous en sommes arrivés là? Ce décor me pousse à la réflexion sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qu'il m'arrive. Enfin, l'heure de ma chute est proche, l'heure où ce monde va s'éteindre s'approche.
La catastrophe est là, au-dessus de moi, volant dans le ciel, se dirigeant vers moi. Une météorite embrase le ciel, elle va s'écraser d'ici peu. Son allure est au ralenti, comme tout ce qui m'entoure. Je ne peux plus échapper à mon destin, je le sais maintenant, je le comprends. Cela me met face à ma petitesse dans ce monde, mon incapacité à pouvoir y changer quelque chose, un douloureux sentiment de solitude. Je n'ai plus qu'à regarder la fin du monde, seul spectateur de cette catastrophe. Je ne fermerai pas les yeux, je ne ferai pas de prière, je dégusterai ces derniers instants. Et je me dis que si tout ne s'était pas passé ainsi, si le monde ne devait pas exploser à cause de cette météorite, je profiterai de la vie au maximum avant de mourir. Time Frame n'est pas vraiment un jeu. C'est une expérience vidéoludique qui va au-delà du jeu. De l'art, je ne sais pas. En tout cas, un voyage initiatique et philosophique que je vous conseille d'essayer. Thank you.